Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Et en fait là je vais aller faire un petit job pour les scouts. C'est-à-dire que je vais aller peindre je crois des lignes sur le sol, enfin je sais pas quoi. Je vous expliquerai tout après parce que je suis pas trop au courant, j'ai pas trop compris. Donc... Re tout le monde, donc je vous retrouve mais genre bien plus tard, il est 15h ou 14h30, je sais plus. Alors, en fait, on a dû faire des numéros pour un vide grenier. Voilà. Et c'était hyper compliqué. Enfin, en fait, on devait dessiner et genre mes mains elles sont pleines de peinture que j'arrive pas à enlever. Et c'était hyper épuisant. Mais à part ça, c'était plutôt cool. Donc, je voulais juste vous parler d'un truc, c'est que. Je suis en partenariat avec une application qui s'appelle Amino. Non, je rigole, pas du tout. C'est juste qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais au scout, à partir de l'entrée en terminale, tu es par équipe de 6, 7, 8 environ et tu fais un projet humanitaire. Donc tu pars. Pendant 2 ans, tu essaies de récolter de l'argent, tu bosses des trucs comme ça pour faire un projet humanitaire et pour aller aider des gens dans un autre pays comme le Pérou ou les Philippines. Enfin, nous, on aimerait bien partir dans un de ces deux pays. Et donc, on a fait une page Facebook et si vous voulez, allez juste l'aimer, genre. Ça s'appelle Compte 19 pour l'instant. Là, je vous montre. Pas hyper personnalisé, mais voilà, enfin, je vous demande pas du tout de donner de l'argent, quoi. Mais c'est... Si vous voulez juste l'aimer pour... que... les gens voient et voilà, ce serait cool vraiment. Donc voilà, c'est tout. Et ce soir j'ai une soirée, ça va être trop cool si j'ai le droit d'y aller parce que j'ai vraiment demandé à mon père. Et pour l'instant je vais faire un montage de Paris parce que j'ai rien fait et ma vidéo elle doit sortir à 19h, donc voilà. Yo tout le monde, oh là là ma coiffure. Bon, j'ai fait une petite pause dans mon montage, je suis épuisée. Et ce que le truc c'est que, donc j'allais prendre un petit goûter et là je me rends compte qu'il pleut. Il fait beau depuis une semaine et là pile le soir on fait une soirée, il pleut. Je suis au bout de ma vie, c'est trop chiant. D'habitude je mets toujours les céréales après le lait, dites-moi ce que vous faites si vous voulez, ça fera un débat inutile dans les commentaires. Et sauf que là j'ai envie de tester l'inverse. Verdict, je préfère. Coucou tout le monde, alors là je vais partir à ma soirée, je vous montre juste comment je suis habillée et maquillée. Et avant, je voulais vous dire, je suis en train de regarder le film À tous les garçons que j'ai aimés et j'aime trop vraiment regarder le sur Netflix. Je pensais qu'il serait un petit film cucu et tout, mais c'est mes potes qui m'ont conseillé et il est vraiment archi cool. Là, j'ai mes cheveux normaux, voilà, pas trop lissés. Ensuite, en haut, je porte juste du mascara, un peu de fard à paupières, des boucles d'oreilles Zabox, je sais pas si vous connaissez, et un peu d'highlighter, mais c'est tout sinon. Ensuite, je porte un haut, donc Guess, que mon copain m'a offert, voilà, c'est juste un t-shirt noir. Et j'aime trop, je trouve, il ressemble carrément au t-shirt des mannequins. Genre, je sais pas si vous voyez, Elite et tout. Et genre j'aime trop les t-shirts noirs basiques, hauts, enfin comme ça, bref. Ensuite un jean taille haute que je porte super souvent. Et c'est tout, bon, je vais juste mettre des talons en bas. Voilà, let's go. C'est-à-dire aujourd'hui parce que hier soir je suis rentrée à 7h donc j'allais pas genre filmer. Je suis crevée. Mais je voulais vous dire un truc, c'est que actuellement je fais des vlogs back to school. Mais
c'est aussi important, enfin je pense que vous le savez, mais genre je voulais vous dire de profiter, enfin vous stressez pas pour les cours, voilà, et n'hésitez pas, même pendant l'année ou quoi, à sortir, enfin c'est vraiment trop cool. Faut pas que le seul souvenir du lycée dans quelques années, même du collège, c'est que, enfin après au collège on sort moins, genre c'est pas grave, c'est normal, enfin c'est normal, ouais, c'est que vous avez fait que travailler, enfin voilà, après c'est vraiment mon état d'esprit, c'est-à-dire que j'aime trop m'amuser et je suis contente de m'amuser maintenant parce que l'année prochaine en terminale ça va être compliqué, mais je suis quelqu'un qui c'est toujours en fait puiser dans mes ressources, dans le sens où je suis jamais au maximum de ma capacité de travail et je compte pas l'être l'année prochaine non plus, donc voilà, bref, bye la mif.